première fois qu'Antoine Sfer est arrivé en Corse, il a cru débarquer au Liban. S'il est revenu comme journaliste et père de famille, c'est aujourd'hui comme un promeneur presque solitaire qu'il revient sur les images marquantes de sa vie, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Antoine. Merci. On va retracer justement votre vie à travers les grandes photos et belles photos qu'il y a dans vos albums. Si vous le voulez bien, on commence dans cette pièce. C'est la partie en argentique, c'est la partie de l'enfance, c'est la partie des origines. C'est la partie de l'amour aussi. On commence là, si vous le voulez bien. Ouais. Qui y a là? Là, il y a mes quatre grands-parents que je n'ai pas connus. Mes grands-parents maternels, Nicolas et Jeanne, qui étaient... Nicolas était un commerçant en tissu qu'il importait au Liban, dans le souk des tissus, précisément. Et là, il y a mes grands-parents paternels, Constance, qui écrivait un français qui m'étonne encore, puisque je gardais quelques lettres qu'elle écrivait donc à son fiancé de l'époque, Moussa, Moïse, Sfer. Et Moïse Sfer avait une librairie dans le centre-ville de Beyrouth, et dans l'arrière-boutique, c'était une imprimerie de résistance. Clandestine, j'ai envie de dire. Non, il était anti-ottoman, puisque à ce moment-là, à cette époque-là, l'Empire ottoman était, les Libanais étaient des sujets de l'Empire ottoman. Et donc lui, avec quelques amis bien entendu, imprimer des tracts, des journaux, des gazettes contre l'Empire ottoman, en français, en anglais et en arabe. Allez, on va avec votre père, si vous le voulez bien, Joseph. Joseph, l'avocat, à la fois l'orphelin de père et de mère à 12 ans. Une culture immense, votre papa, culture immense. Étonnant. Vous-même, vous dites, allez-y. Je me souviens... Je pendais la crémaillère en 1982, à peu près. Il était chez moi à Paris. Et je descends à la cave pour chercher du vin. Et je remonte, je trouve le salon vide. Où sont-ils passés, mes camarades, mes collègues journalistes et tout? Et je sors sur la véranda. Ils étaient tous en train d'écouter mon père leur raconter l'histoire d'Henri IV. C'était extraordinaire. J'ai failli lâcher mes deux bouteilles de vin et j'écoutais. Je me disais, ah, si je pouvais avoir un dixième de sa culture, voilà. Pas peu fier de vous avoir. Vous avez trois sœurs. Oui, vous êtes aînée. L'homme de la famille, le garçon. Quand vous êtes né, paraît-il, il vous a trimballé partout. Vous êtes de Cléiat, c'est ça, hein, le village de Cléiat. Oui, de Cléiat, les Castels. Pour montrer vos bijoux de famille, pour dire, regardez, c'est mon fils. Oui, tout à fait. C'est mon fils. Et le comble, c'est qu'il a... dans mes papiers, je serai né le 25 novembre, mais en fait, ma date de naissance est le 15 septembre. Donc, il m'a fait gagner, en montrant mes bijoux de famille, donc 2 mois, 10 jours, voilà. Votre maman, on va passer à Rose. Ah. Ça, c'est... C'est l'amour à l'état pur. C'est comment... Elle m'a étouffé d'amour. Elle vous a étouffé d'amour. Elle m'a étouffé d'amour. Comme elle a étouffé d'amour mes sœurs également. Rose était à la fois la maîtresse de la maison, qu'on le veuille ou non, mais en même temps, elle était cette femme qui avait l'altruisme quasiment vrillé au corps. Elle s'occupait de tout et de tout le monde. Et quand je pense à elle, je pense à ça, l'amour, c'est tout. Il n'y avait que ça chez elle. Et il ne fallait surtout pas toucher à ses ouailles, ses enfants. Quand papa Joseph nous punissait, mais elle le punissait à son tour. Avant. On est aussi en Corse, quasiment. Avouez-le. Vous la perdez quand vous avez 20 ans, votre maman, c'est à... Voilà, 69. En 69. 69, avril 69. Votre papa mourra beaucoup plus tard, hein, en 1985. 15 ans plus tard, c'est en 85.
On va parler de vous un petit peu. Venez Antoine, si vous le voulez bien. Cette photo-là, c'est... Voilà, on donnerait le bon Dieu sans confession, voilà. Ce qui n'a pas été le cas toute ma vie quand même, il faut le reconnaître. Alors, on va rappeler quelque chose. Vous vous appelez Sfer. Quand on s'appelle Sfer au Liban, on est automatiquement chrétien maronite. Oui. Vous êtes élevé dans la religion. Vous êtes élevé par les jésuites d'ailleurs. Hein. Vous allez à l'école chez les jésuites. Primaire, secondaire, universitaire. Vous êtes religieux à l'époque? Parce que là, on vous voit penché sur votre missel. J'ai 10 ans à cette époque-là. Religieux, ça ne voulait rien dire. Non, mais on faisait tous notre première communion, voilà, c'est tout. C'était ma première communion. Et donc, pour en garder un souvenir, Rose a voulu que j'aille poser avec mon missel, que je n'ai pas souvent ouvert d'ailleurs. Puis ensuite, mon chapelet, ma petite barrette là, qui est Jésus, homme sauveur, qui était un peu la devise des jésuites, voilà, chez le photographe, sans cravate heureusement, mais quand même avec le costume blanc, le costume et la chemise blanche. Voilà. C'est l'occasion d'évoquer aussi un petit mystère, cette photo, c'est qu'on voit que vous avez déjà un petit peu la bouche, comment dire, qui vous donne, c'est vous-même qui le dites, un sourire sarcastique. C'est parce que vous avez eu la polio, c'est ça, à, oui. 14, à 14 mois. Oui, maman. Enfin, moi, je n'en m'en souviens aucunement. Mais on m'en a tellement parlé que j'ai fini par croire que je l'ai bien vécu, voilà. Oui, j'ai eu la polio. Je n'ai pas eu de séquelles, mais... Votre papa qui a dû être content que vous souveniez à ça. Mais comment? Allez, on va à la dernière photo, si vous le voulez bien. Elle est symbolique, cette photo. C'est un couvent qui existe encore aujourd'hui au Liban. Qui s'appelle le couvent de Roumillé, qui est juste... à la fin du village de Cléate, avec toute la vallée qui sépare une région qui s'appelle le Kesserwan et l'autre région qui s'appelle le Metten. Alors là, vous avez le Metten, vous avez une famille qui est très connue en France, c'est les Gemayel. Et là, de ce côté-là, vous avez surtout deux familles, une aristocrate, les Elkazen, et ceux qui faisaient des études pour sortir précisément de la précarité, c'était les sphères. Il y a un proverbe qui dit dans le village, enfin dans les trois villages qui l'entourent, une poule de la famille sphère qu'on envoie à l'épaule devient avocate. Donc vous avez étudié, là, justement? J'ai surtout préparé mon bac. Préparé votre bac. Tout à fait. Eh bien, on va vérifier le proverbe pour voir si un sphère devient automatiquement avocat. Non, mais c'est dans la pièce d'à côté, il ne faut pas répondre tout de suite. Voilà. On laisse un peu de suspense, Antoine. Allez, venez. D'accord. Allez, Antoine, prenez place. Et là, dans cette pièce, on se laisse guider, tout simplement. Donc, est-ce que vous alliez être avocat, oui ou non? Eh bien, il me semble que non, hein. Ouais. Non, j'ai attrapé le virus du journalisme par hasard. Un hasard total. C'était en 68 et on était réellement dans la mouvance estudiantine occidentale. Et donc on avait fait un peu la grève et tout. Et puis j'avais écrit au journal qui s'appelait Le Jour. Il y avait L'Orient et Le Jour. Et donc c'était un nouveau journal qui était sorti trois ans auparavant. Et j'ai envoyé une, deux fois des lettres qui sont parues. Et puis le patron du journal m'a demandé, est-ce que ça vous intéresse d'être journaliste? Je lui ai dit, c'est quoi ça? Il n'y avait pas d'école de journalisme au Liban à ce moment-là. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste, voilà. Très rapidement, on vous offre un CDI, en tout cas, en 70. Voilà. En 70. Deux ans. Entre-temps, vous vous êtes marié. Vous êtes le vrai Libanais à l'époque. Hein, oui, la caricature du Libanais. La caricature du Libanais. Voilà, tout à fait. Et puis, le 13 juin 1976, eh bien, il se passe ça. Voilà. Le Front populaire de libération de la Palestine m'enlève. Et... je reste quelques jours et quelques nuits dans un endroit... C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais sûr de ne pas m'en sortir. Il faut quand même dire une chose, c'est que les volets étaient fermés, je ne savais pas si c'était le jour, la nuit, etc.
Quand j'en sors, il est minuit à peu près, on me dépose devant un cinéma qui était célèbre, le Saroula, et la petite ruelle qui est menée à l'hôtel Le Marly, quand même, ça ne s'invente pas non plus, collée à l'église. Ben voilà, là, c'était pas l'hôtel, c'était le début de la ruelle. Et voilà l'hôtel qu'on voit très bien à la chambre 309. C'est la chambre 309, vous êtes à peine sorti. Et en face de l'hôtel, il y a cette église Saint-François, qui était aussi un lieu d'orientation, en quelque sorte. Et donc, ils me mettent en face, devant, et je dois sortir, et donc rentrer à l'hôtel par là, cette porte-là. Et pendant les 20 mètres, quoi, qui me séparaient de la voiture, jusque-là, je me disais, c'est pas possible. C'est maintenant que je vais recevoir la balle. C'est pas possible. Et je rentre, j'avais les amis, les collègues qui étaient là, m'attendant. Il y avait une bouteille de whisky, Black Label. Et je la prends, j'avale quelques gorgées, vraiment de quoi me brûler la gorge. Et c'est là où je me permets, je fonds en larmes. Voilà. Il y a votre père qui arrive, peu de temps après, le lendemain. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous prend par la main, il vous emmène dans une église qui n'est pas loin. Qui est juste en face. Voilà, la fameuse église. Et il dit, remercie-le. Mets-toi à genoux et remercie-le. Il ne me prend pas à l'oreille. Mets un genou et remercie-le. Juste après cette libération, vous dites le Liban, stop. Quel est le Liban? Le Proche-Orient, le monde arabe, Israël, Palestine, les Arabes. Je ne veux plus en entendre parler. Le 13 septembre 1976, vous partez pour la France. Vous l'avez dit. Le 1er septembre, pardon. Et j'arrive le 3. Le 3 septembre 1976, je suis en pantalon et en chemise, c'est tout, un blouson sur les épaules, et j'arrive, en passant par Damas, j'arrive en France. Et là, vous dites, maintenant, je veux faire de l'Allemagne, je veux travailler sur le Canada, Québec, mais ne me parlez plus de Proche-Orient, vous travaillez au journal La Croix. Exact. Et puis, quand même, peu à peu, on fait appel à vous, et même dans certains médias assez inattendus. Regardez un petit peu ce que ça donne. Mais de façon générale, et depuis plusieurs jours, c'est la modération inhabituelle, même verbale, des réactions arabes aux événements de Cisjordanie qui frappe. Jean-Marc Ilouz en a demandé l'explication à un journaliste libanais spécialiste des questions arabes, Antoine Sfer. On ne peut pas dire que les pays arabes se soient confinés dans un silence réel. Tout d'abord, ils ne pouvaient pas faire moins que de demander la convocation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Puis ensuite, la Ligue arabe elle-même a été convoquée en session extraordinaire. Cela dit, il est un fait qu'il y a une volonté délibérée de ne pas verser de l'huile sur le feu, et cela pour plusieurs raisons, tactiques essentiellement. En effet, si dans une telle éventualité, on aurait encore une fois assisté à une guerre des ondes entre Israël et les pays arabes, et la situation aurait été banalisée en Cisjordanie. Alors oui, vous allez devenir une vedette médiatique, on va vous appeler pour un oui ou pour un non pour expliquer le Proche-Orient. On est en 1982, mais il y a une chose qui m'interpelle quand même, c'est qu'à l'époque, vous n'éclaircissez pas trop la situation, vous parlez très vite et on comprend finalement pas plus au conflit. On se pose des questions, en effet, oui. On se pose encore plus de questions. J'ai appris grâce, non pas à moi, mais au journal Le Pèlerin. Et c'est là que vous apprenez à clarifier un petit peu, si je peux me permettre. À changer mon écriture et mon oralité. Autrement dit, quand je disais au hit parade du terrorisme, Arafat a battu El Habash, je parlais pour moi là. Mais les gens ne comprenaient pas. Et là, j'ai appris à parler comme si je vous parle, comme je parle aujourd'hui, et d'une manière simple.
Et à faire comprendre la complexité du monde arabe. Et la transmission. Et la transmission. On aura l'occasion d'y revenir. Nous étions en 82. En 83, eh bien, il se passe ça. On est où, là? Là, on est... On est à la fois en Corse et au Liban. Au Liban, c'est... Vous voyez, En 83, vous arrivez pour la première fois en Corse. Et qu'est-ce que vous vous dites, justement? J'arrive par bateau. Oui. Je dis, on a été détourné. Je reviens au Liban, là. C'est pas possible. Une montagne flanquée dans la mer, c'est la Corse. Et une montagne flanquée sur la mer, c'est le Liban, avec, malheureusement pour lui, deux voisins au gros appétit. Voilà. Le malheur du Liban, c'est ses voisins. Voilà. Mais au Liban, il y a aussi une plaine orientale. Mais totalement. C'est pratiquement la même. La voyez, elle est... Mais bien entendu, il y a des montagnes. Il y a une diaspora, beaucoup de diaspora, énorme. La seule différence, malheureusement pour les Corses, ils sont quoi, 200, 250 000 ? 300 000, oui. Allez, 300, 400 000, je vous le concède. Là-bas, 400, ils sont 4 millions. 9 500 km² pour la Corse, 10 452 pour le Liban. On est jumeaux. Et en même temps, quand j'arrive à Ajaccio, que je vois les gourmettes en or, les chaînes et les chemises ouvertes jusqu'au nombril, c'est Beyrouth. Quand j'arrive à Bastia, je vois les gens laborieux, en train de travailler et tout, on est réellement dans le Liban du Nord. J'y trouve du copier-coller, quoi. Et vous y trouvez aussi un nom? Parce que du coup... Eh bien, vous vous appelez, vous trouvez un pseudo, Eric Santoni. Si, Eric Santoni, c'est Antoine Sphère. C'est l'anagramme. Le C remplace le F, c'est tout. C'est parce que vous venez en Corse que vous décidez de vous appeler Eric Santoni et que ça c'est votre, oui. Un de vos premiers livres, La vie de Jésus, que vous décidez tout de signer fait. Comme ça. C'est La vie de Jésus, illustré par les plus beaux tableaux de maître, des choses merveilleuses. Et c'est vrai que... Et bon, la maison d'édition a un peu disparu aujourd'hui, mais c'est mon premier, mon premier livre, en effet. Eric Santoni, et qui va suivre d'autres livres sur les religions, le judaïsme. Tant d'autres. On a une photo, justement, voilà, là c'est vous. 22 livres au total, aujourd'hui. Hein. La transmission, vous l'avez dit, ça continue. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette émission, vous le savez, c'est de voir les photos que vous ne maîtrisez pas. Quand on tape votre nom sur Internet, qu'est-ce qui sort sur Antoine Sphère? Eh bien, venez. C'est dans la pièce à côté qu'on va savoir. Venez avec moi. Dernière pièce, Antoine. On va découvrir chacun des écrans. Qu'est-ce que tu vas encore me faire découvrir? Eh bien justement, des images. D'accord. Quand on tape votre nom, on tombe sur certaines images assez sympas. Ça va nous faire du bien, cette période-là de l'année. Antoine Sphère, c'est une voix. Une des voix de la mer Méditerranée. Il ne peut pas envisager ses vacances sans elle. Quand tu avales cette eau salée, c'est comme si tu la prenais à pleine bouche... Tu l'embrassais, que tu te noyais dans son regard, parce que tu te noies dans le regard de la Méditerranée. Et en même temps, elle ne te trahira jamais. La Méditerranée ne te trahira jamais, vous dites. On est là, on est à Barbicadia, sur une plage des Sanguinaires. Exactement. On est juste sur la route des Sanguinaires à Barbicadia. Pourquoi on est là, Antoine? Mais parce que depuis 83, je suis amoureux, mais vraiment amoureux. Voilà. De la Corse, et puis vous êtes tombé amoureux aussi. De Véronique, et qui est donc la mère des jumelles que vous voyez là. Anna à gauche, Clara à droite. Elle fait son droit. Elle prépare un normal sup et elle fait médecine. J'ai tout pour être fier. Et je suis attaché à cette terre, pour ce que je dis précisément, entre la Corse et le Liban.
Et puis, j'ai finalisé avec Véronique. Véronique qui est de Vivario, bien sûr. De Vivario, précisément. On va sur cet écran, si vous le voulez bien, Antoine. Parce que ce qui occupe une grande partie de votre temps, ben c'est ça. Ça. Les conférences, Antoine. J'adore ça. Antoine, regardez, j'adore ça parce que j'ai devant moi les gens qui réagissent, le type qui opine de la tête, l'autre qui s'énerve, l'autre. C'est tellement bien. Ça, c'est à Monaco. Voilà, c'est à Monaco, c'est la fondation de Biagi qui m'a invité à venir leur tenter de démêler la complexité de la situation. 149 conférences en 2016-2017. Oui. Oui. C'est une véritable frénésie, j'ai l'impression, Antoine. Non, parce que c'est le fait aussi que je suis un peu sorti de la télé, de l'immédiateté de la presse aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte à quel point nous sommes informés, mais nous sommes mal informés. Mais Antoine, je répète, 149 conférences, vous êtes malade aujourd'hui, Antoine. Oui, enfin, je suis malade. Vous avez une angine, peut-être, vous. Moi, j'ai un cancer, c'est pas grave. Mais non, attendez, à partir du moment où cette maladie vous tombe, ça vous rapproche peut-être de la mort, je vous dis. Mais on a osé la vie, osons la mort. Dès que vous naissez, vous êtes déterminé pour aller, à un moment donné, dans une casse de bois. C'est tout. Il faut aussi relativiser les choses. Parfois, je suis fatigué. C'est vrai que je ne fais plus de sieste en bon méditerranée d'un quart d'heure, 20 minutes dans mon bureau, assis comme ça. Non, je fais une sieste d'une heure et demie. Voilà, c'est tout. Et il y a pire. Imaginez-vous les gens qui perdent un enfant. Il y a pire. Allez, venez, on va à cet écran-là. Ce sera le dernier. Et alors, c'est votre Liban. Oui. Et je vais reprendre une expression qui est à vous. Le Liban, c'est le vouloir vivre ensemble. Oui, vouloir. Le vouloir vivre ensemble. On voit qu'au Liban, il y a des musulmans sunnites, des chiites, des druzes, des grecs orthodoxes, maronites. C'est toute la complexité. Est-ce qu'il existe encore ce vouloir vivre ensemble au Liban? Mais assez bizarrement, oui. C'est ça, le Liban. C'est ça, comme vous le voyez. C'est, voilà, Léa, t'es là. Vous voyez, Léa, t'es là, juste là. Effectivement, on est chez les maronites, là. Effectivement. Là, entièrement. Là, vous êtes chez les maronites. Mais si vous leur posez la question, est-ce qu'il y a des musulmans? Alors, ils vous répondent très clairement. Ben, il y a quelques maisons orthodoxes. Alors, vous vous rendez compte, alors que les orthodoxes sont chrétiens. Donc, mais ils sont... Voilà, ils sont comme ça. Parce que si je vous pose un petit peu cette question, Antoine, c'est parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en Europe, il n'y a plus cette volonté de vraiment vouloir vivre ensemble. Chacun veut se retrouver un petit peu dans l'entre-soi. Pourquoi? Parce que en Occident, on a inventé au XVIIe siècle le mot de tolérance, que je déteste. Pourquoi je le déteste? Parce qu'en latin, tolero, le verbe tolero veut dire supporter. Veut dire soutenir. Ça veut dire que vous êtes déjà une marche au-dessus de l'autre. Je préfère respect de l'autre dans son altérité telle qu'en lui-même. C'est plus long, mais c'est plus juste. Et comment voulez-vous respecter quelqu'un si vous ne le reconnaissez pas comme votre alter ego, votre miroir en quelque sorte, quel qu'il soit? Et comment pouvez-vous le reconnaître si vous ne le connaissez pas? C'est ça le problème, c'est qu'on ne connaît plus l'autre, donc on en a peur. Et quand on a peur de l'autre, on fait des bêtises, pour ne pas dire un autre mot encore plus trivial. C'est tout. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on apprenne dès l'école. Dès l'école, l'altérité. L'altérité qui nous amène à la citoyenneté, vous vous rendez compte? Moi, le 3 septembre, quand je suis arrivé, je n'étais pas citoyen. La France, la République, m'a dit, voilà les clés de la cité, tu en es responsable, comme tous les autres, co-responsable de la cité. C'est ça, notre mission, qui nous rend égaux, solidaires. Vous parliez de la maladie. Je vais chercher mes médicaments de la pharmacie, je dis combien je vous dois. Elle me dit rien.
Maintenant, après que vous ayez vous-même cotisé pendant 44 ans, maintenant c'est la communauté qui vous prend en main. Mais j'ai couru, j'ai cherché les 192 autres pays de la planète. Nous sommes les seuls. Et nous en sommes responsables. Attention. Ça sera le mot de la fin, Antoine, parce que c'est déjà fini. Vous savez, il y a une tradition dans cette émission, c'est de faire un selfie. Alors, je ne sais pas si vous êtes un adepte. Je ne sais pas. Ça sera votre premier. Voilà. Allez, on le fait ensemble. Souriez. Voilà. Et c'est fait. Merci à vous. Merci à vous, Antoine. À bientôt. Pas de chez Salut. Allez, on part par là. Merci, Antoine.